Et salut à tous, soyez bienvenus pour ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur notre série Les Chasseurs de Légendes. Nous allons chasser aujourd'hui le cerf légendaire. Alors, où se trouve-t-il? On se retrouve tout de suite sur la map. Voilà, on est à la Big Valley. Tout à gauche de la map. Donc, vous regardez, Strawberry est là. Vous avez Valentine, c'est là. Donc, vous avez de Strawberry, vous montez un peu en diagonale. Alors, en repère, moi je me suis pris le B de Big et j'ai mis un repère juste ici. Alors vous voyez, l'image du cerf, elle est là. En gros, sa zone, elle est par ici. Alors, mais moi, je vous conseille de monter un peu plus vers ici, vers le B de Black. En tout cas, moi j'ai trouvé le premier indice ici. Et on est parti donc pour la traque de notre nouvelle bête. Alors, il est là. Donc c'est parti, le premier indice logiquement c'est les excréments. Ah non, c'est de la fourrure. Here we are. La fourrure du cerf. Ensuite, ça y est, on a notre petite zone. Et voilà, la zone blanche elle recouvre l'image comme de tout à l'heure. Donc là c'était juste le premier indice. Deuxième indice c'est là-haut. Hop, on va pas le perdre. Alors, qu'est-ce que c'est? Des excréments, voilà, des excréments de cerf. Donc pour l'instant on est bien. Ensuite il est parti par... Est-ce qu'il est descendu? Non, ça c'est le pigeon. Donc il est parti par là. Je regarde autour. D'accord. Donc logiquement, si je me trompe pas, il est parti par là. Donc on l'entend déjà. Je viens de l'entendre. Ah, je sais pas si j'ai pris la mauvaise piste. Il y a un serpent juste à côté de nous là. Ah donc c'était le serpent je pense. Donc on retourne ici. Et je pense qu'il est descendu. Il est passé par là je pense. Ouais, il est descendu par là. Ouais, il est descendu par là, on continue. Donc, je ne le vois toujours pas. Voilà, notre dernier indice. Encore des excréments. Must be near. Ok. Alors. Il est parti par ici. Alors, je ne le vois toujours pas. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ou non? Non, attends. Le cerf légendaire, est-ce que c'est lui là? On va continuer sur la trace. Ouais, c'était bien lui. Il est passé juste devant nous. Il est par ici. Alors, est-ce que je le vois? Toujours pas. On suit par là. Ça brille par terre. Tac, il est parti par là-bas. On continue. Ah, il me fait tourner en rond ce petit bâtard. Où est-ce qu'il est? Toujours pas. On va suivre les traces. Il est remonté par ici. C'est par là. Et il s'est baladé partout. Ah, je l'entends. Alors, il y a trop de traces parce qu'il y a trop de bêtes. Ah, je crois que je l'ai vu. Non, c'est un cochon. Oh là là. Ah, il est parti pas de tous les côtés. Mais on n'est pas très loin, je pense. Non, d'accord, on a des cochons. Je le vois pas.
Tac, là où c'est quoi? Il m'énerve parce qu'il a bougé partout, il y a des traces de partout. Ok, bon, on va passer. Est-ce que je tente la technique de la part? Là, je sais pas si c'est lui. Non, c'est pas lui. Oh, on va pas le perdre. Tac, tac. Est-ce qu'il est par ici? Bon, on me dit il est monté là-haut. Compliqué celui-là, hein, on n'arrive pas trop le... Toi... Ah, est-ce que c'est lui? Regardez le lumière. Non, lui c'est juste un cerf. Bah alors, on l'a perdu. M'énerve ça. Ah, c'est bon, il est là. On vient de le trouver. Le cerf légendaire. Reviens là, reviens là. Pisté. Non. Ok, on l'a. Les infos. Arrête de bouger. Les infos. Fournit du bois. Ah, il n'arrive pas à bouger. Fournit du bois utile pour fabriquer des objets. Utilise un arc avec une flèche empoisonnée pour tuer l'animal proprement. Bon, moi, je vais pas utiliser un arc parce que comme je vous ai dit dans le premier épisode, les animaux légendaires, enfin, les dégâts sur la peau ne comptent pas. Et on va prendre carabine. Ça ne compte pas, donc la peau sera toujours en bon état. Je vois. Il a bougé, il a bougé. Je te vois. Attention. Bouge pas. Ouais. Tombé. Non, il est sérieux, il est costaud lui. Bouge plus. Voilà. Et deux. Pas mort le pauvre. Allez, arrête. Je vais appeler les assistants. On se calme, voilà. Et ça nous fait deux légendaires à notre liste. Donc on arrête et on le dépasse. Voilà, et vous allez voir, la peau, elle sera en bon état. Ça, il n'y a pas de souci. Et voilà, nickel. Du bois ainsi que la peau de cerf. Ça va nous servir à faire des amulettes, comme je vous ai dit. Ok, super. Un bon cheval, où est-il? Ah, ça fait une petite peau, là. Ok, bah je vais emmener ça au trappeur pour améliorer les vêtements, avoir d'autres vêtements. Et du coup, c'est tout. La fin de vidéo est là. Je vous dis à la prochaine. Je ferai encore une vidéo sur une autre bête. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à partager, les gars. Et à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Allez, peace.